Prochain travail. Samsung Galaxy S10 Plus. Remplacement de l'écran. On voit qu'il est tout cassé. Il est allumé? Oui, il est encore allumé. Mais l'écran est tout cassé. Là. On le voit bien. Là, la batterie est presque à terre. Ouais. On va recharger. Il reste 5%. Puis remplacer le couvercle en arrière aussi parce que lui aussi il est craqué en arrière. Ça fait que ça ici. Bon. On va commencer par le chauffer. J'en ai plein, mais j'essaie de rattraper mon retard là. J'ai une tablette à finir aussi pour Québec. Là. Couvercle arrière. L'embête. Un écran neuf, le contour tout, la même chose. Fait que ça vient avec le casing au complet. Fait que faut que j'enlève tout dans un, je remette dans l'autre, puis on remet le couvert. Fait que c'est une job d'une petite job de patience là. Faut y aller lentement un après l'autre. Puis on remonte tout ça là-dedans. Mets ça de côté. Je viens de remplacer une varistance. Pas une varistance, une thermistance. Un habitué de la place, c'est pour un chauffe-eau. Pas un chauffe-eau, une piscine traitement au sel. Deux fois par année, on change ça. Mauvaise conception de l'appareil. Fait que deux fois par année, on remplace ça. Il y a d'autres qui me disent que c'est le client met peut-être trop de sel ou il a mal ajusté. Mais il a eu beau essayer n'importe quoi. Il change pareil. Fait que. C'est fait. On essaye dessus. Mettre mes gants. On va le remettre là. Bon. Ça ici. Je vais prendre ça. Et voilà. Fait que ça se décolle bien. De toute façon, il est déjà cassé. Ça fait que j'ai pas à faire bien attention. Et voilà. Donc, il va aller poubelle. Parfait. Non, on vient d'épicer ça. Et voilà. Ce côté ici. On débranche la batterie. Comme ça, ça allait éteindre le téléphone. Bon. Là. On débranche l'écran ici. Ça, c'est l'écran. J'ai deux vis là. J'en ai une là. J'ai pas grand vis. J'ai pas grand vis à retirer. J'ai pas regardé s'il y avait une carte SIM. Ça prendrait là. De ce côté. C'est des trous que je viens d'enlever. J'ai pas regardé s'il y avait une carte SIM. Si une carte SIM, ça sort pas. Non, ici.
Il y avait une carte mémoire en tout cas. On va mettre ça là. Bon. Fait que ça, c'est tout enlevé. Je vais venir retirer la caméra d'ici. Je pense que j'ai même pas besoin de la retirer. Je peux la laisser de même. Je peux-tu retirer tout ça d'un coup? Non. On va retirer le jack ici pour les écouteurs. Et voici la carte mère. Au complet. Comme vous voyez, c'est quand même pas si mal, là. Ça se fait quand même assez bien. Puis il n'y a vraiment pas grand-chose à transférer d'un à l'autre, quand je, comme je regarde là, là. J'ai mon vibreur ici. Le jack de pour la, les prises d'écouteurs. On va chauffer un petit peu. On va commencer à ouvrir ça. Voilà. J'ai la batterie aussi à retirer. Je vais retirer le fond ici. Voilà. À part de ça, je pense que j'ai rien d'autre à enlever. Ça, ça reste là. Des crins ici. Voyons si on peut enlever ça. Et voilà. Le vibreur. Tiens. Le vibreur est à sa place. Là, il me reste la batterie à enlever ici. Tiens. Comme ça. J'ai mis un petit peu d'alcool. De l'IPA. Là, la batterie. Fait que ça, tout est enlevé, j'ai plus rien là-dedans. Non, tout est là. Fait que, bye bye. On prend le neuf. Je vais essuyer ma batterie ici. On va la remettre à la fin. J'avais enlevé le jack, hein? Non, je l'avais pas enlevé. Il est là encore. Il est retourné là. Là, il n'y a plus rien. On remet ça. Et voilà. Mets les vis. Et voilà. Revenu à sa place. Rien. Non. Bon. Et voilà. Il est rentré à sa place. Je vais venir mettre des collants ici tout le long. Même pas besoin, il y en a. Il y en a, je viens de me rendre compte de ça. Fait que... La batterie est réinstallée. Allez. Je vais continuer à le monter, là. Je vais y mettre tout le reste. Il va manquer juste le couvert. Parce que là, il n'y a rien de serré.
Et voilà. On réessaye. Ah, pas mal mieux. À 9%. Je vais le laisser. Je vais recoller le derrière dessus. Ça va être un autre job de fait. C'est aussi simple que ça. Le derrière, je ne sais pas s'il venait avec son propre collant. Oui. J'aime mieux utiliser celui-là que je vais chauffer un peu sur le pad. Puis après ça, je vais serrer en place. Qu'utiliser ma colle. Donc, on prend ça. On s'assure que c'est propre. On vient enlever toute trace de colle sur l'ancien couvert. Ouais. Il n'y a vraiment pratiquement rien. Un petit peu ici. Tiens. Pas grand chose là. Pas plus long que ça. Là, je vais le mettre sur le pad chauffant. Ça va ramollir la colle, mais en même temps, quand il va venir froid, il va coller deux fois plus. Fait que ça va faire un beau téléphone. Tout a remonté de A à Z. On va l'allumer à cette heure. Samsung Galaxy S10. On va y remettre sa carte mémoire. J'ai pas le code du client, par exemple. Je pourrais demander, mais d'après moi, il n'y aura rien. Il va le checker quand il va venir le rechercher. Là, ça me prend la pin, là, mais je ne l'ai pas. On va augmenter ça. Hein? Tout est beau. Tout est allumé. Swipe, puis on lock. Avec mes gants. Hein? Oh, ben mal. Hein? Merci.